Comme vous pouvez le voir en titre, on parlera du crocodile d'Adjamé, Abidjan, Côte d'Ivoire. Oui, la toile et tous les internautes ont été surpris ce matin, je crois, hier ou bien ce matin, quand des publications hein, de l'Office des eaux et forêts, de la protection des ressources animales, tout ça, a publié sur sa page qu'elle a capturé un crocodile dans une cour. Je veux faire récap. Les agents du zoo d'Abidjan ont été appelés pour la capture d'un animal en captivité depuis 30 ans. Il s'agit d'un crocodile qui a été gardé par quelqu'un pendant 30 ans dans une maison en quatre murs. Bien sûr qu'il a été élevé tout ça là depuis 30 ans. Il mesure 2 mètres et il pèse 150 ou 120 ou 155 kilos comme ça. Et le crocodile en question, malheureusement, son maître, le propriétaire, est mort. Les gens n'ont pas voulu dire quand le propriétaire est mort. Le propriétaire est mort, donc c'est ainsi que voilà, les gens ont décidé d'appeler les agents du zoo pour prendre le crocodile qui est en captivité depuis 30 ans pour l'emmener au zoo. Ils ont même cassé un des murs, comme vous pouvez le voir en image, hein, pour enlever le crocodile. Pour le transporter, avant de le transporter, ils ont fermé la bouche comme ils savent le faire, l'attacher et l'emmener.